François. Il est là, il a rajeuni François. Mais en fait, c'est une bête de salle en fait. L'équipe Mad Mag. Allez, c'est parti, on va mettre tout simplement du vidéo de basket. Eh les gars, finissez à pied, il reste 10 km. C'est bon, je crois que ça fonctionne. Bon, c'est 30. Les gars, c'est nouveau vlog. C'est chez Schaeffersheim. J'ai appris à le dire correctement. Voilà. Voilà, les gars, c'est le petit déplacement. Et les gars, on est tous en rouge. Hein. Ça fait mon capitaine. Là, il nous a fait une petite tatouage rose, beau gosse. Ça va, les gars? Ça va ou quoi? Petit oreiller, mon cher. Quentin, ça va? Ça va. La forme? Ouais. Ça va? Tu viens avec nous, toi? Bah, j'ai pas le choix, ce nouveau. Bon, bah, les gars, on a gagné. Victoire! Victoire de Poligny. Tu vas bien? Ça va. Ça va, mon gros? Rallye, les Révan, il n'y a pas de temps. Ça va, mon chef? Ça va? Ouais? Allez, ça va ou quoi? Ça, les gars? Et toi, ça la va? Forme? Tranquille. Petite boucle d'oreille, petit gazouz. Salut, toi, Jean-Claude. Non les gars, voilà, donc là on se prépare, hein. On refait la même chez Schaeffersheim, oh là là, c'est loin encore. Voilà, on va rester focus, moi je vais encore dormir. Puis voilà, hein. On va voir ce qui se passe à l'intérieur un petit peu. Match, y'a un match. Y'a un match les gars. Voilà, donc en fait c'est match des U11 contre Montmoreau, voilà. Et là les gars, on a tous les petits fruits, on a nos sandwichs aussi préparés, bah voilà, préparés avec amour. Et ça, on n'en doute pas, donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà les gars, moi je vais pas dehors parce qu'il fait froid, ils sont tous dehors là. Voilà, ça va être bon match, on n'a pas fait forcément d'analyse vidéo nous. Moi, comment j'ai géré ma semaine? Bah, c'est simple, hein. J'ai fait beaucoup de lundi, mardi, mercredi, j'ai travaillé les jambes, comme je vous ai dit, je les ai défoncées, donc j'avais les jambes lourdes, vraiment, mardi c'était compliqué. Jeudi encore lourde, mais bon, on a essayé de se donner quand même, et puis j'ai enlevé cette lourdeur bah, des jambes tout simplement grâce à la récup, hein, voilà. Et puis j'étais aussi en train de préparer le programme voilà, qui va sortir le 14 mars, donc là c'est rapidement, il y en a qui ont déjà précommandé les programmes, il y en a déjà beaucoup. Donc c'est vraiment cool, il y en a beaucoup qui veulent travailler la détente et qui veulent dunker sur la gueule des autres. Et ça c'est intéressant les gars. Donc je vais vous emmener avec moi sur, comme d'hab, voilà, dans le trajet. On va voir ensemble parce que c'est intéressant. Et puis jusqu'au match. Et allez, let's go. J'espère en tout cas que ce sera le feu là-haut. Il y aura les supporters. On en profite pour mettre des petits moments de l'entraînement. Voilà, c'était pas simple. Moi, j'étais avec les jeunes et contre l'autre équipe MN3. Donc, c'est des jeunes qui sont U17 ou de l'équipe 3, voire 2. Mais on les a bien fait chier, quoi. Voilà. Le coach a râlé après parce que forcément, voilà, on n'est pas censé accrocher, ils sont censés nous dominer. Et puis voilà, et puis moi, tu vois bien, tu peux me mettre même avec ma petite sœur, je vais vouloir gagner, quoi. Il faut gagner, quoi. Il n'y a pas d'excuse avec qui on est, tu vois. Bon, quoi. Là. Ça y est les gars, c'est le grand départ, en route, on way. Les gars, j'ai chaud déjà. Oui, je vais enlever ma doudoune, on va se mettre à l'aise. Et on a François. Et François? Ah bah non, François. Il est là, il a rajeuni, François. Nous sommes en 1990 où François avait... Que... Ah oui. Ah oui, oui, c'est vrai, putain. Tac. Hop.
J'avoue qu'il fait chaud. Et tu sais que tous les week-ends où on part, il fait bon. Et ben après, il va faire pleuvoir. Il va pleuvoir. Les gars, c'est bon, on a récupéré. Le François, il a grandi du coup. Et les pieds du chef. Et let's go. Là, on est bien installé. Le capitaine, il a dit, il va en mettre record là ce soir. 12 record. 12 au calme. Et s'il met 12-3 points. Et s'il met pas la vidéo, de toute façon je la mettrai pas. S'il en met que 2. Putain, allez, let's go les gars. Voyage, voyage. Jimmy fait des passes. Voyage, voyage. Ouais. Plus loin. Allez. Bon les gars. Oh, c'est pas facile ça. Oh, j'ai plus de courbatures que la rive. Regarde le match de qui? Juan Dijon. Ah ouais. J'ai pilé. Qu'il a un petit dunk. Il reste combien de temps de route là? Même pas là. J'ai même pas le temps de dormir encore. Bon les gars, je crois qu'on joue dans un dans une petite salle parquet. Le village là-haut. C'est vrai que c'est pas une bonne salle, il me semble. C'est le même endroit que la dernière fois. Donc ouais, c'est l'Alsace, du coup on emprunte la même autoroute. Hein. Mais voilà, donc comme d'hab, on descend pour aller faire le petit pipi. Et puis voilà, on ouaille. Tapé un petit excès. Là, j'ai pris de l'eau chaude avec une madeleine. Excès. Non, en ce moment, les gars, j'ai du mal à bien manger tout le temps. Enfin, je vais me laisser un petit part de gâteau, je vais prendre un petit gâteau par-ci et je sais que c'est pas grand-chose, mais bon, si tu fais ça, plus ci, plus ça, et puis voilà. Les genoux, ça revient bizarre, mais voilà, faut faire attention. Là, on est installé. Puis voilà, même endroit que la dernière fois. Au calme. Au calme. Les frérots, il y a l'autre équipe aussi qui passe. Je crois que c'est l'air de repos que tout le monde se rejoint. Donc voilà, c'est stylé hein, les gars. Là notre gars Joseph, il se regarde un petit feuilleton. Les feux de l'amour. Tu penses qu'il regarde ça? Ah, c'est Vache Bridge. Vache Bridge les gars. Au repos ici, au calme. Allez, c'est le tourniquet. Ok, c'est parti. Bon les gars, on a bien parlé, on a bien rigolé. Là, là-haut, c'est la vallée des singes. C'est ce qu'il me racontait la dernière fois. Et puis voilà, là on repart, on n'a pas beaucoup, on a 30 minutes même pas. Puis voilà. Hein. Les gars, il nous arrivait une galère. Là le minimum. Eh les gars, finissez à pied, il reste 10 km, courez. On va être chaud, courez, je vous rattrape. Les gars, on va être chaud. Bon, vas-y, on laisse le minibus là, on va prendre dans la voiture, on va faire plusieurs allers-retours. Il y en a qui vont commencer à pied. Et puis voilà, voilà. Let's go. Les gars, on prend les sacs. Regarde, eux, ils veulent partir. Les gars, non. Ah non, mais les gars. Ah, rien de grave, c'était la bougie d'allumage. Voilà. Tu veux l'autre? Me mettre un flou. Bon, les gars, on est arrivé 15 km à pied. Non, on est arrivé tranquillou. Là, pour la circulation sanguine, je pense que je vais marcher un tout petit peu au niveau des jambes. Parce que sinon, les gars, le retour veineux, il se fait pas très bien. Et puis voilà. Toi, tu vas aller marcher un peu hein? Tu vas aller marcher? Je vais marcher? Ouais. Ouais. Pour le retour veineux. On peut avoir les jambes lourdes. On peut aller faire un tour du canal. Canal carpien. Électricien. Oh ouais, on n'a jamais joué là. C'est trop stylé, les gars. Mais en fait, c'est une bête de salle, en fait. Ah ouais. Ah, peut-être pas de ouf non plus, mais... Non, c'est pas mal, je crois, parce qu'avant, je sens un truc, c'était un terrain vraiment tout petit, et là... Bon, bah les gars, bien. Je suis content, on a une bonne... Allez, bien, la salle, et... Ça devrait être cool. En plus, c'est marqué vestiaire des femmes. Parce que j'aime bien le basket. Les gars, la bonne humeur, on apprend en rigolant, on apprend en s'amusant, mais surtout on apprend les gars, les frérots, là le vlog c'est de grosse qualité, là je pense que vous n'êtes pas prêts, à chaque fois je dis ça, mais là
on a gagné, mais je sais pas comment. Honnêtement, vous allez voir, c'était vraiment en mode bûcheron. Hein, c'était du... du bûcheronnage, voilà. Je sais pas si ça se dit. Excellent. En tout cas, il y avait du basket. Voilà, d'habitude, il joue pas dans cette salle-là, c'était dans une autre salle. Schaeffersheim, en tout cas, voilà. Je m'amuse, je m'applique à le dire. Il y avait du monde, il y en a du monde qui sont venus me voir. Ça fait grave, c'est grave bien, quoi. C'est grave kiffant, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, quand j'étais petit, je voulais faire du basket à haut niveau. Je savais pas si j'allais à NBA ou pro. Et bien, au jour d'aujourd'hui, j'y suis toujours pas, mais il y a autant de monde qui viennent, hein, voilà. Non, peut-être pas autant, mais en tout cas, il y en a, on prend des photos et tout, c'est grave kiffant. Alors ça me fait kiffer de ouf. Là, on va faire une petite analyse, voilà, on va faire une grosse analyse du match, et puis on va mettre les meilleures actions en même temps, puis des actions moins bonnes pour qu'on puisse corriger pour vous, hein, puis que vous puissiez regarder, analyser, et puis pour moi en même temps. Hein. On n'oublie pas d'ailleurs qu'il y a le site internet, voilà, tu peux précommander pour l'instant, parce que le programme, eh ben, il est moins cher pour l'instant, hein, forcément. Et puis après, on va mettre à prix haut. Hein. Donc là, pour l'instant, profites-en de précommander ton programme détente. Et puis, voilà. Et puis, si tu voudrais d'autres programmes à suggérer, bah, n'hésite pas. Hein. Je sais pas, moi, je m'adapte par rapport à vous, tu vois, selon vos demandes. Après, voilà, mon ressenti au niveau de ce match-là, c'est que bah, mon genou, il a pris cher. Là, il a pris cher, le sol, les gars, déjà, quand tu vas dans la raquette, tu t'en souviens. Hein, parce qu'ils mettent des brins. Donc voilà. Donc sans plus attendre, les gars, je pense qu'on va passer à la vidéo. On va regarder, on va pas perdre plus de temps que ça. J'adore comment je fais ça. Allez, let's go. Donc là, contre-attaque, boum, ça rentre dedans. Voilà, parfait. J'arrivais pas à avoir mes bons appuis pour sauter. De toute façon, j'ai les jambes mortes. Là, hop, il aurait pu la ressortir au 15. Mais bon, hein, début de match, tout ça. Écoute, il a décidé de la jouer. Après, c'est son jeu aussi. Donc c'est bien. Pareil, toi, il fait la même. Et pourtant, t'allais rigoler, moi, je gueule pas. Les gars, ils reprennent ça. Non, mais voilà, boum. Là, il n'y a personne sur moi. Bonne lecture, je shoot. C'est un bon shoot, je pense. Hein, voilà, pourquoi? Parce que j'ai fait un dribble. Il n'y a aucun défenseur sur moi. Ben voilà, écoute. Et puis, si j'attaque encore plus, il y aurait eu quelqu'un. Donc voilà, fallait faire ce choix-là. Voilà. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'on a, j'attaque fort. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais chercher. Et là, il y a quoi? À part un beau airball, je le relève, mon coco, histoire de dire désolé quand même. Et bon, normalement, déjà, il peut pas avoir faute, ça c'est sûr, mais j'aurais dû la mettre. J'attaque, je regarde à l'opposé, donc ça c'est bien, on crée derrière une faute. J'attaque, je regarde à l'opposé toujours, donc ça, c'est un petit peu mieux. Hein, voilà, c'est un petit peu mieux qu'au début. Hein, il y a une progression sur ça, d'attaquer, regarder à l'opposé. Hein, ça, on peut pas me l'enlever, en tout cas, on essaye de... Chaque vidéo, ça progresse, hein, je vous le dis. J'imagine même pas à la fin de l'année. Le gars, ça y est. Non, voilà. Donc, hop, la possession du ballon, j'attaque. Je vois à l'opposé, pareil. Voilà, bon, il met un peu plus de temps. Boum, j'ai un shoot ouvert. Je loupe, mais bon, je trouve que c'est un bon shoot. J'ai joué pour les autres, je me suis replacé. J'ai eu un tir ouvert. Voilà, là, bon, N1, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, on met un bon écran. Hop, on essaie en tout cas. Il est pris. Une réception de notre grand. Il le joue facile pour lui. Bon, il a eu beaucoup de fautes comme ça. Voilà, comme le dernier match où il tombait. Voilà, à chaque fois. Mais bon, là, écoute, ils font tout le temps des petites fautes sur lui. C'est jamais trop vu. Donc, ça va être compliqué. Là, celle-là, attendez, je la remets juste parce que quand je vous parlais, j'ai pas eu bien le temps d'analyser. Là, ah ouais, là, c'est bûcheron. Ah oh, c'est de la bûcheronnade, monsieur l'arbitre. Mais c'est inadmissible. Non, mais regardez-le. Là, il n'y a pas faute, mon chef. Là, il y a... Bon, c'est pas grave, on s'en moque. Non, on veut juste progresser, mais quand même. Prenez-le pour rigoler, quand même. C'est marrant. Avec la petite teinture rose, là. Regarde. Tac. Il n'y a pas. Mécanicien, chef. C'est ça, des fautes de mécanicien. Donc là, hop, il attaque. Oh, la petite faute, ça va. Ça fait du bien. Il a mis un lancer franc, il me semble. Boum, il passe à l'intérieur, il le joue directement, il essaye de ressortir. Oh là, il n'y a pas faute, ouais. Oh là, là, pareil, je regarde à l'opposé, je lâche à l'opposé. Faites attention. Là, ça rentre. Juste un truc, je m'épose. Faites attention quand vous jouez. Souvent, c'est bien dit, quand tu es en réception de balle, même si tu sais que tu vas faire la passe à l'autre, fais toujours face quand même au panier. C'est très important, il faut le savoir. Donc, réception de balle, même si tu sais que tu vas attaquer même à droite ou à gauche, fais toujours face au panier. Toujours, c'est important. Voilà, juste un petit parenthèse. Là, donc là, il y a le 3 points. Donc, la réception de notre grand. Boum, je regarde derrière. C'est un mismatch, mais non, il essaye de le jouer. Il a eu raison, il aurait pu le mettre. Voilà, je fais un écran de papa. Là, il a 8 ans, il a 8 ans devant lui. Mais bon, ça n'a pas payé, malheureusement, après... Donc compliqué, là pareil, boum, fin de shoot.
Là, il y a une bonne création au niveau de l'attaque. Réception, il attaque, il ne peut pas, il relâche. Feinte, il attaque directement, il relâche. C'est ça qu'on doit retrouver dans le basket. Et après, on a une ouverture. Donc là, malheureusement, c'est loupé. Mais je voulais quand même vous le mettre parce que c'était une bonne phase d'attaque, selon moi. En tout cas, basket. Nouveau basket. Voilà, c'est tout. Là, qu'est-ce qui se passe? Allez, au ballon. Ah oui, voilà, il est là. Moi, je suis à l'opposé. Je m'écarte, sinon je vais attirer mon défenseur. On l'avait déjà corrigé. Là, j'attaque fort. C'est pas possible. Je lâche encore à l'opposé. Il réattaque derrière. Et là, boum, et ça me crée un tir. Encore, j'ai joué pour les autres et ça m'a gagné pour moi. Il faut prendre ça en tête. Il faut jamais essayer de jouer. Parce que déjà, tu vas monopoliser. Je mets pause vite fait. Tu vas monopoliser trop longtemps le ballon. Et quand tu vas la ressortir, bah, les gars, ils vont vouloir jouer direct. Donc, autant lâcher direct ton ballon, les gars. Lâchez votre ballon, jouez pour les autres. Voilà, lecture de jeu, ça se trouve, tu peux jouer direct et marquer, ça, je dis pas. Mais voilà, joue pour les autres et t'inquiète, après, ça sera créé pour toi. Et là, c'est ce qu'on voit. Voilà, en tout cas, voilà. Après, voilà, ça, c'est l'attaque. Après, au niveau de la défense, il y a un truc que j'ai pas compris et je vous en parlerai sur mes points négatifs du match à la fin. Voilà, on va revoir ça. Donc là, pareil, hop, faute, voilà, il défend sur le côté, il prend un pack, donc voilà. Donc là, il y a eu la mi-temps. Boum, on lui donne directement. Il attaque, il dominait beaucoup en bas, donc on n'a pas hésité à le servir. Hein. Ça fait du bien. Les rebonds, j'étais présent, j'en ai pris plusieurs. Hein, parce que j'ai vu que c'était un traquenard, donc je savais qu'il fallait aller au rebond. Donc, voilà. Possession du ballon en bas, baseline, boum, il joue. Mais il ne le met pas, ça c'est compliqué. Des paniers faciles, et puis voilà quoi. Là, boum, j'attaque, je vois que je peux attaquer, mais par contre, là, plus mauvaise lecture. Hein. Au début, si je marque possession du ballon, là, regarde, boum, je mets pause. Je vois que l'autre, mon joueur, il est pris derrière. Je le vois qu'il est pris derrière. Pour moi, je me dis, solution d'attaque, je peux attaquer directement. Sauf que si tu regardes, il reste 17 secondes. Donc, c'est peut-être une attaque rapide par rapport au temps qui reste. D'accord? Peut-être aller jouer plus, voilà, avec les autres là. Parce que, voilà, il reste beaucoup de secondes. Quand on a le temps de créer quelque chose, voilà. Il y a ça aussi, il faut prendre en compte. Mais c'est pas facile, tu prends ça. Hein, voilà. Bon, là, je le vois maintenant, c'est bien aussi de le voir. Et là, boum, au début, il n'y avait personne. Mais quand j'attaque, ça resserre. Et j'aurais dû lâcher cette fois-ci opposé. Ah, ça va, une erreur, les gars. Vous n'allez pas me dire, c'est bon, quoi. Ça va, j'ai fait ça une fois, puis je loupe. Voilà. Non, mais voilà, c'était important de le voir. Donc là, changement, Jimmy, au revoir. Voilà. Donc là, boum, les gars, ils jouent. Ça attaque derrière, ils créent. Donc ça, c'est bien ce que Kevin, c'est rare qu'il attaque comme ça. Donc là, c'est bien. Là, pour moi, je ne sais pas si vous, il y a faute ou pas, mais ça nous a perturbé beaucoup. Des fautes comme ça, chef, mais bon, je ne suis pas prêt à... Je n'ai même pas parlé une seule fois avec l'arbitre, mais juste dans ta tête. Je me dis, mais attends, c'est normal, ça. Enfin, bref. Et là, j'ai pris avec l'autre caméra parce que ma caméra, elle avait lâché. Donc voilà, boum, là, ça met bien. On a retrouvé notre grand qui a beaucoup loupé parce qu'il a fait des au shoot, parce qu'il a fait des pompes avant le match. Donc, je vous conseille de ne pas trop faire ça. Pareil, là, on a attaqué, relâché. Boum, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ça lâche à l'opposé. Le temps qu'il vient sur lui, ça shoot. Il le met, il est en confiance. Il est en rythme surtout. Mettez vos joueurs en rythme. Là, petite défense, c'est payé. Là, je fais un mauvais appui pour dunker, donc dommage. Hein, voilà, faut qu'on chauffe pour le prochain. Hop, ça attaque. Ouais, ça met directement. Donc là, tant mieux. Boum, là, je carotte un peu. Je joue la petite carotte, la petite babale par terre. On se chamaille. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'attaque, hein, voilà, boum. Et ça rentre hein, par justesse. Mais regardez, on va remettre cette situation-là quand même parce que, regardez. Feinte, je prends là. Il attaque dur. Là, si je reçois dans mon timing, je suis bon. Mais il décide de l'attaquer. Il doit aller jusqu'au bout, mais il voit qu'il ne peut pas. Du coup, il me relâche à son ballon perdu, si tu préfères. Boum. Là. La petite défense, pareil, ça shoot, on récupère le ballon, hop. Genre, je redéfends comme ça derrière, je récupère, on joue. Il faut la donner voilà, aux anciens, on recourt directement, on essaye de reconstruire derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je suis à l'opposé, directement de la balle, je suis à l'opposé. On n'a pas créé pour les autres, ouais, là, on doit jouer sur un système. Je fais un bon petit écran, je ressors pour avoir le ballon, je n'ai pas. Du coup, comme je n'ai pas, je vais essayer. Non, pas de couper, ok, ça joue. Ouais, non, j'ai vu qu'il allait jouer pour lui, j'ai pas essayé de couper. La défense, on prend le rebond. Parfait, on a le rebond. Ça rejoue tranquille. Oh, tranquille. Ça fait du bien. Boum, qu'est-ce qui va se passer là? Et à la lecture de jeu. Ok, là, je crois que c'était bientôt la fin pour qu'il se passe ça.
Hop, l'écran souvent, donc ça c'est vu, il fait un bon écran, il n'a pas joué directement, il lui donne en l'air, ça marque. C'est vrai qu'on devrait faire ça beaucoup plus avec notre grand, on le fait pas assez. Là, bonne défense, donc là, ouais, là, je vous montre la bonne défense, mais j'ai eu des défenses, c'était médiocre. Hein. Je vais vous en parler après. Voilà, je vous expliquer le pourquoi du comment d'ailleurs. Hop, derrière on redéfend comme ça, j'arrive à avoir la balle, il n'y a pas faute. Enfin, ça, je pense pas. Je reste tout droit. Je sais pas, non, pour moi, il n'y a pas faute. Là, hop, on essaie de garder le ballon. Il va faire faute parce qu'il doit faire la faute. C'est pas méchant. Hop, derrière, il met les deux. Voilà. Quand je vous en mets pas, c'est qu'il a loupé. Mais là, il les a mis. Boum, là, c'est la fin. Je shoote à 3 points, ce qui recule carrément. Vas-y, je vais faire avancer pour faire genre, je vais shooter à 2 points. Puis j'ai mon petit layup. Voilà. Et après, voilà, on parlait. Donc là, d'ailleurs, celui avec qui je parle, qui prend des photos d'images. Donc ça, c'est excellent. Qui vient me voir avec sa famille. Voilà, un grand merci à eux encore. Et puis, voilà, tous les jeunes qui étaient là aussi derrière. Hein, c'est kiffant. Continuez le basket, les gars. Ça va vous mettre dans le droit chemin. Ça, j'en suis certain. Et puis, il y a beaucoup de qualité dans le basket qui va vous servir dans la vie. Voilà. Et puis, là, on va revenir dans le point positif et négatif, les gars. Bon, les gars, vous avez un truc à passer, une petite dédicace. Ouais, alors, les gars, retenez ça. Chaque équipe, tu viendras à chef, sera nous qui verrons. Oh là là. Là, c'est l'annonce. C'est bon. Allez, chef. Bon, les gars, bien. OK, les gars. Enfin. OK. Bon, mes points négatifs, honnêtement, moi, je les vois plus au niveau de la défense. Parce qu'au niveau de la défense, il a été demandé, pour ma part, de couper trois quarts, là, le ballon, pour pas me laisser enfoncer. Sauf que généralement, bon... Si j'ai un grand sur moi, généralement, bah je le suis, tu vois. Généralement, même si un grand en dessous, je me fais plus enfoncer. En début d'année, oui, parce qu'avec les croisés, j'avais du mal. Là, non. Mais bon, on me demande d'aller couper, mais sauf que couper, comme ils sont grands, ils sont malins. Du coup, ils prennent le ballon et ils rollent, ils te mettent dans le dos et toi, t'es comme un bête, quoi. Voilà. Donc, faut que je corrige plus ça. Et puis derrière, faut que je corrige aussi l'habitude que j'ai, c'est de prendre un garde défense, c'est de prendre 1-1 et il n'y a pas de changement. Tu me fais un écran, mon gars, le gars, je vais le suivre. Mais il est demandé quand même de, voilà, un écran, on va changer. Oh là là, ça c'est relou. Pour moi, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans cette situation-là, les gars. Mais il faut s'habituer, c'est les consignes qui sont demandées. Maintenant, on va essayer de voir pour être beaucoup plus performant au niveau de la défense sur ça. Parce que je trouve que j'y suis beaucoup moins qu'avant. Donc, il va falloir aller rechercher encore beaucoup de défense pour avoir prendre des ballons, quoi. Pour des contre-attaques, pour des trucs comme ça. Et j'en prends pas assez au niveau de ça. Donc ça, il faut progresser sur ça. Il n'y a pas que l'attaque. Et au niveau de la défense, je pense qu'il y a ça que je peux améliorer. Voilà, mais je vais améliorer, je pense. Sur combien de temps, je ne sais pas, mais on va le faire. Après, au niveau de l'attaque, ça, c'était point négatif. Et après, au niveau des points, on va dire positifs, ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup plus vu les gars à l'opposé. Donc voilà, bon, forcément, quand tu es dans ton équipe, c'est important, d'accord, pour ne pas les frustrer. Parce que je t'explique pas les frustrer, les points, les machins. Non, il faut vraiment voir tout ça. Après, il y a quelques fois où je n'ai pas forcément vu, d'accord, mais c'est déjà mieux que d'habitude. On peut le voir en vidéo. Donc attaquer, regarder à l'opposé. Voilà. Et puis mes attaques, elles étaient aussi dès le début de match. Donc c'était mieux, d'accord, mieux ne pas hésiter, parce que des fois j'ai tendance à me faire oublier et attaquer que à la deuxième mi-temps. Donc voilà, des petites positions de shoot que j'ai pas hésité non plus, ou d'habitude j'hésite et voilà, par à la fin, mais là c'est autre chose. Mais sinon j'ai tiré des trois points, voilà, il y en a deux je crois, ou un que j'ai loupé, et puis l'autre je l'ai mis, donc voilà, un shoot à mi-distance, donc voilà, il y a de la progression sur la lecture notamment, et c'est ça sur quoi qu'on va appuyer, parce que c'est sur ça mes plus gros soucis, mais il y a du mieux en mieux, et je commence à être un peu plus intéressant sur les matchs. Voilà, et puis voilà, là on va aller bosser, on a mardi off, hein, voilà, il y a beaucoup de, avec les bûcherons qu'on a eu en face, c'était compliqué de jouer comme ça, compliqué pourquoi, parce que c'est un autre basket, les gars cognent, la vache, tu peux cogner, mais en mode basket, là c'est, voilà, c'était intéressant quand même, hein, on va pas se cacher. Moi, je vais quand même retravailler encore mes jambes, même si on n'a pas mardi, je vais travailler mes jambes et je vais faire aussi beaucoup de récup. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, parce que c'est comme ça que vous soutenez la chaîne au maximum. Et puis voilà, tout simplement. N'oublie pas le lien, le premier lien, c'est celui-là du site internet qu'on a monté, donc ne pas hésiter à aller checker ça. Et puis, on se rejoint à la prochaine vidéo, qui c'est déjà la semaine prochaine, et c'est à la maison, et c'est un gros match. Donc, s'il y a un match que tu dois pas louper, les gars, c'est celui-là. Et pour certains, si c'est le vlog que tu dois pas louper, c'est celui-là. Et n'oublie pas dans les commentaires, je suis présent, donc lâchez-vous, les gars, je vais checker. Et si vous voulez voir un truc en particulier sur mes entraînements,
en vlog, bah c'est le moment de le mettre maintenant les gars, en début de semaine, profitez-en. Et à plus tard la Delta Family, et apprenez pas trop dans le sérieux, amusez-vous et apprenez. Voilà, y a, tu vois, il y a 50-50, tout le monde est d'accord. 50-50. Bon allez les gars, à la prochaine la Delta Family, ciao. Oh là 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 là. Alors ça c'est trop bien.